Dans cette vidéo, on va parler de longueur d'arc de cercle. Donc pour ça, j'ai tracé deux cercles. Et donc j'ai deux cercles qui sont identiques. Hein, et euh, je sais que le périmètre de ce cercle, qu'on va appeler P, son périmètre, est égal à 18 fois π. 18 fois π, c'est la longueur de ce périmètre. Quelle que soit l'unité, hein, on va rester sans unité. Et euh, dans ce cercle, je vais tracer deux rayons. Deux rayons ici et ici. Qui vont définir un arc de cercle. On dit que ces deux rayons interceptent ce cercle, donc ils interceptent cet arc de cercle ici que je vais surligner en violet, et je peux définir un angle qu'on va appeler angle au centre, qui est cet angle-là ici. Et je vais l'appeler θ. θ, je sais qu'il vaut 10 degrés. Donc j'ai un angle au centre qui vaut 10 degrés, et cet angle intercepte un arc de cercle. Et la question qu'on se pose, c'est la, la longueur de cet arc de cercle qu'on va appeler petit l. Alors la façon de réfléchir à ça, c'est de penser au rapport entre la longueur de l'arc de cercle et le périmètre total du cercle. Et en fait, le rapport entre euh, ces longueurs, eh bien ça va être le même que le rapport entre l'angle au centre qui intercepte l'arc et l'angle total du cercle, c'est-à-dire 360 degrés. Donc, si on écrit ça en toutes lettres, on va avoir L divisé par P, donc c'est le rapport de la longueur de l'arc de cercle sur le périmètre total, qui va être égal à, alors divisé par 360 degrés, ça va être 10 degrés. La mesure de l'angle, c'est 10 degrés divisé par 360 degrés. Donc le rapport des longueurs est égal au rapport des angles. Donc si je reporte mon P, je vais avoir L sur 18. Pi, qui est égal à 10 sur 360. 360, donc je vais multiplier des deux côtés par 18 π. 18 π, ici aussi 18 π, pour pouvoir simplifier par 18 π et obtenir que L est égal à 10 sur 360 fois 18 π. Alors, je vais reprendre tout en violet. Ça, c'est égal à. Alors, je peux simplifier par un 0 ici et ici. J'ai donc 18 multiplié par pi divisé par 36. Et 36, c'est tout simplement 2 fois 18. Donc, je vais simplifier par un 2. Et j'obtiens pi divisé par 2. Donc, la longueur de cet arc de cercle L eh bien, vaut pi sur 2. Et maintenant, on va reprendre le même cercle en bas, donc qui a le même périmètre, et on va tracer les deux mêmes rayons. On va tracer les deux mêmes rayons, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à l'autre angle qui est défini par ces deux rayons, c'est-à-dire grand angle ici, ici, qui vaut θ, et qui vaut 350 degrés. Donc, quel arc de cercle on va avoir L'arc de cercle qui est intercepté par cet angle, eh bien, il va être ici. Voilà. Alors, je vais le surligner un petit peu salement, mais bon, on a compris l'idée. Donc, on va chercher la longueur de cet arc de cercle, et cet arc de cercle euh, qu'on va appeler grand L cette fois-ci. Eh bien, de la même façon qu'en haut, on va avoir L divisé par 18 pi, puisque on a toujours le même cercle, donc le périmètre c'est 18 pi, qui est égal à, et alors le rapport des angles, on a 350 350 divisé par 360. Donc de la même façon, on va faire passer 18pi de l'autre côté pour pouvoir obtenir L. Donc on a L qui est égal à 350 fois 18pi. 18pi divisé par 360. Et euh, bah là on peut simplifier par euh, un 0 et on simplifie encore euh, comme tout à l'heure, on a 18 divisé par 36 qui est égal à 1 demi puisque 18 c'est 2 fois 36 et donc j'ai L qui est égal à 35 divisé par 2 fois 36. Donc, euh, tout, bien faire attention lorsqu'on parle d'un arc de cercle qui est défini par deux rayons, faire attention de savoir de quel angle on parle. Est-ce que c'est l'angle aigu ou l'angle ici Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire Juste une petite remarque sur la longueur des arcs de cercle. Si je fais, euh, bah, si je fais euh, petit L plus grand L, eh ben, qu'est-ce que j'ai J'ai pi sur 2 plus 35 pi sur 2, donc j'ai euh, 35 plus 1. Sur 2, donc ça fait 36 sur 2, j'ai 18 pi. Et bien évidemment, 18 pi qui est égal à P, donc je retombe bien sur mes pieds et euh, tout va bien, c'est logique.